Et là, ma mère me raconte une anecdote qu'elle avait avec sa grand-mère. Et à ce moment-là, je me suis complètement effondrée, quoi. Pourquoi de la taranne de crite ? Bah, parce que moi, j'en ai pas des anecdotes avec ma grand-mère. Ni avec mon grand-père, ni avec mes oncles, ni avec mes cousins, d'ailleurs. C'est pas possible, tu as forcément une anecdote. Bah ouais, sans doute, mais avec mon AVC, je m'en souviens plus. C'est ennuyeux. Non mais sérieux, on est qui si on oublie sa famille ? Mais on va le dire ! Ouais, on va demander de l'aide aux morts. Aux morts ? Ouais. Ouais, les morts, ça vient toujours à la rescousse. Car où les morts ne t'oublient pas, même si tu n'as pas de mémoire, tes aïeux sont toujours là pour toi, ils vont te raconter leurs histoires. Des tableaux multicolores et des sculptures qui finissaient au fond du garage. Car on tend l'oreille, écoute le récit. Nous nous sommes enfuis de chez nos parents et nous nous sommes embrassés sous les étoiles. Car on les morts ne t'oublie pas. Tu es la seule qui ait mon profil. Je me souviens. C'est du patinage artistique sur mes vinyles. Caro, les morts sont là pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'appelle ma mère. Je veux lui dire que j'ai rencontré mes grands-parents et qu'ils m'ont raconté leur histoire. Et on va pas raconter ça, hein ? Ben, pourquoi ? Ouais, parce que là, tu risquerais de pas de te faire passer pour une folle. Amène-le plutôt dans la conversation. S'il il faisait pas des tableaux multicolores, le vieux ? Ça serait mieux, oui. Ouais, vous avez raison, ouais, c'est bien. Mais merci, les mecs, hein. Eh ben, on l'a bien débugué, la Caro, là. Oh, c'est bien fait. Ouais. On a fait une très bonne action. Compliquée, mais une bonne action. Bon, qui passe le balai maintenant pour les pétales, tout ça ? Ah ouais. Ok, je picole.